Il y a 2 ans, j'arrivais à Ouagadougou pour continuer mes études en classe de terminale. Après avoir fui mon village et assisté impuissamment au viol et au massacre, la seule famille qui me restait, pas des hommes armés. Les conditions de vie devenaient de plus en plus difficiles, mais je ne voudrais pas tomber dans la mendicité comme toutes ces personnes. Je me suis donc rendu dans un site d'orpaillage. Croyant me faire une fortune, je me suis retrouvé à travailler pour ne recevoir que des miettes. Vas-y. Je devais me lever la nuit après que tout le monde dormait, afin de racler les restes de nourriture calcinée. Je suis calamfé. Je voulais juste de quoi vivre, mais voilà condamné à l'esclavage.